famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo exceptionnelle sur la chaîne Asphalt Garage. Et oui, aujourd'hui, je vais vous présenter l'exceptionnelle affaire que j'ai fait sans le vouloir. Et oui, un Duster à 690 euros tournant. Alors avant de te présenter la bête, je voulais te dire deux, trois petites choses. Première chose importante, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche. Fais tourner la chaîne à tes amis. Si tu kiffes Asphalt Garage, soutiens, abonne-toi et lâche des likes. Deuxième chose, un grand merci pour tous vos commentaires, la famille, pour tous vos suivis, ainsi que tout votre soutien, la famille. Ça me fait toujours chaud au cœur, ça me fait toujours plaisir. Et donc, pour vous remercier, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite aparté sur la 205. Et je vais vous présenter la nouvelle mascotte d'Asphalt Garage. Alors, je te fais faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors là, si tu veux, je l'ai récupéré il y a à peu près un mois. J'ai déjà refait plein de choses dessus, mais il était vraiment dégueulasse. Et il est toujours pas fini. Hein. Tu vois que la peinture du capot, elle se barre. La peinture du toit aussi. Voilà, il a pris les UV et tout le monde le sait, les peintures Dacia, c'est pas les plus solides. Voilà, j'ai refait un petit peu ici l'aile ici parce qu'elle était toute défoncée. Donc, j'ai remastiqué une petite couche d'après, puis j'ai fait vite une retouche. Provisoire, c'est pour passer l'hiver en fait, parce que je pense que je vais le repeindre entièrement au printemps ou à l'été prochain. Voilà, donc là j'ai fait juste une retouche, c'est parce que je voulais pas que l'aile, elle commence à pourrir, rouiller avec le sel et tout ça. Donc c'est pas très bien fait, mais on s'en fout, la famille. Voilà, Duster, 4 roues motrices, 110 chevaux, DCI, 4 portes, un grand coffre, 4 pneus hiver, un intérieur plutôt bien fini. Alors il n'y a pas le cuir, hein, les sièges sont sales aussi. J'ai passé un coup d'aspirateur vite fait, mais au printemps, je vais tout shampouiner, je vais tout rattraper correctement. Mais là, pour l'instant, j'ai pas trop le temps, donc j'ai mis juste un coup d'aspiro, un petit coup de brillant, histoire que ça fasse. Voilà, un attelage, la famille, très important, parce que j'ai désormais investi dans un plateau que lui, j'ai acheté tout neuf. Hein, il a peut-être 150 km, je m'en suis servi une fois pour aller chercher le futur projet de la chaîne, après la 205. Donc il me fallait un véhicule tracteur relativement puissant pour pouvoir tracter ce plateau double essieu. Alors la famille, je voulais vous dire quand même que mon petit Kangoo, je l'ai toujours gardé. Vous avez sûrement vu la vidéo de l'embrouille, etc. Il est toujours chez le concessionnaire parce que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à trouver. Ça fait déjà un mois qu'il est là-bas. Et puis bah, moi, ça m'inquiète beaucoup parce que je crois qu'ils sont en train de faire fil par fil. Ça doit être un problème de faisceau apparemment. Et du coup, c'est la galère. On continue sur ce Duster. Bon, comme tu peux le voir, il a un intérieur plutôt bien fini avec la couleur marron, finition. Moi, j'aime bien. Mon premier Duster, celui que j'avais acheté en 2010, en précommande, au Salon de Genève. C'était exactement le même intérieur, quoi. Marron, sauf que moi, j'avais le cuir. Et voilà, c'est tout. Mais sinon, c'était la même chose. J'avais volant cuir, pommeau cuir et les sièges simili cuir. J'avais les rétro chromés, j'avais les barres chromées, là elles ne le sont pas. Donc j'avais vraiment la finition premium de chez Premium. Et j'avais les jantes alu bien sûr, parce que ces jantes-là elles sont moches. Mais on s'en branle! Parce que moi ce que j'ai besoin, c'est pas de l'esthétique moi. J'ai besoin juste d'un véhicule qui tracte, un véhicule utilitaire, un véhicule que je peux aller barouder en forêt, tracter mon petit bateau, mon plateau, mes conneries, voilà. Je cherche pas du tout à avoir un truc super bien fini, magnifique et tout. Voilà, juste un besoin d'un véhicule qui tracte. Et mon Kangoo, lui, n'est pas en mesure de tracter le plateau. Je l'ai fait une fois, ça a été un carnage. Donc voilà, j'ai ce Duster qui m'est tombé sous la main à 690 euros parce que j'ai vendu une petite voiture d'occasion, une petite Clio d'occasion. Et j'ai fait une reprise sur ce Duster qui avait pas de 4x4, pas d'arbre de transmission, une boîte de transfert HS qu'on va changer aujourd'hui la famille ensemble. Que je te montre tout de suite. Voilà, j'ai trouvé sur GPA une boîte de transfert d'occasion à 160 balles, sortie d'un véhicule qui a 89 000 km. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, j'ai un bruit de roulement. L'arbre, il avait cassé et ça avait entraîné un bruit de roulement dans la boîte de transfert. Et du coup, bah, je peux pas rouler avec ça, ça fait un bruit énorme. Donc on va la changer ensemble aujourd'hui. Alors, je te montre un petit peu le moteur. Et puis ensuite, s'en suivra avec la mécanique, comme d'habitude, la famille sur Asphalt Garage. Oui. Donc, je te présente le moulin. Un 4 cylindres turbo diesel de 110 chevaux.
avec un couple assez sympathique, je dois dire. C'est pas les plus puissants des 4x4, certes. C'est pas non plus le plus gros des moteurs. On n'est pas sur un Toyota Hilux, par exemple, où là, tu peux tirer 4 tonnes. Bon, mais ça reste un bon 4x4 avec du couple, plutôt économique sur la route, mais pas forcément le plus fiable du monde. En effet, ce moteur, il est connu pour avoir les filtres à particules de première génération, qui n'étaient pas aussi fiables que les filtres à particules de maintenant, qui ont des auto-régénérations, etc. Ça, c'est un modèle de base. Il n'y a pas de régénération, il n'y a rien du tout. Et du coup, au bout d'un certain temps, surtout quand tu fais des petits trajets, ce filtre à particules, il a tendance à se boucher et à faire éclater le turbo quand tu es en pleine charge. C'est-à-dire que le filtre à particules se bouche, les gaz d'échappement n'arrivent pas à s'évacuer correctement. Tu auras au début une perte de puissance et tu vas mettre le turbo sous pression maximale et puis il va finir par casser. Donc très important, si tu as un Duster 1 phase 1 ou Duster 1 phase 2, les quelques choses à voir sont un nettoyage du filtre à particules à 100 000 km. Vaut mieux le faire en préventif, tu vois. Tu mets un produit ou tu mets le mot type M515. Type mot type M515, c'est une bombe. Attends, je vais te la montrer. Voilà, donc je veux pas faire de pub. Mais je vais y mettre ça. Donc il va falloir que je démonte la sonde du filtre à particules, que je balance l'intégralité de la bouteille dedans, que j'attende environ 5-10 minutes. Et ensuite, il faut que j'aille rouler avec à haut régime pendant environ 15-20 minutes, histoire d'éliminer tout le produit et d'éliminer toute la merde. Alors ça fait fumer à l'échappement, mais toute la fumée qui sort de l'échappement, c'est toute la merde qu'il y a dans ton FAP. Donc estime-toi heureux. Si plus ça fume, plus c'est bon. Voilà. Ensuite, pour terminer le tout, quand j'aurai l'occasion de faire un grand trajet avec ce Duster, j'irai lui mettre un FACOM, décalaminage moteur intégral. Donc ça nettoie FAP, turbo, injecteur, catalyseur, vanne EGR, tête de soupape, etc. Et c'est un traitement curatif, la famille. Ce n'est pas un traitement préventif. Donc là, je vais vraiment nettoyer au maximum le moteur, déboucher au maximum le FAP pour éviter la casse turbo, parce que ce véhicule, il a 160 000 km. Il est fonctionnel, le moteur tourne très bien et je voudrais bien le garder encore longtemps. J'oubliais, j'ai mis aussi deux phares neufs parce que j'avais les anciens phares à fond noir. Je ne sais pas si tu connais un peu les Duster, mais tu as des Duster qui ont des fonds chromés puis des Duster qui ont des fonds noirs en bas, ici. Et en fond noir, je les préférais, mais alors putain, ils étaient chers. Et là, j'ai trouvé la paire de phares en marque TYC, 149 € les deux phares, hors ampoule, hein, bien sûr, hein. Voilà. Alors j'en ai profité pour mettre des ampoules Philips haute performance de 100 watts que j'ai payé une blinde. Je voulais pas mettre du LED parce que ça passe pas toujours au contrôle technique, c'est la merde. Donc j'ai mis de l'ampoule à diode, mais 200 watts avec la petite rallonge qui va bien pour pas cramer les fils, ainsi qu'en plein phare aussi. Attends, j'essuie un petit peu pour que tu vois. Hop. Et puis des petites veilleuses LED pour moderniser un petit peu le véhicule, mais bon, c'est des gadgets, mais voilà. Comme j'ai sorti les phares et puis que je les ai changés, j'ai tout de suite mis des bonnes ampoules pour y voir clair la nuit. La famille, on passe au châssis. Bon, ben voilà, je te montre un peu le dessous. Voilà, tu constateras avec moi qu'il a déjà frotté un petit peu. Voilà, il a déjà un petit peu. Alors, c'est une tôle de protection, c'est pas très grave, mais au printemps, je la démonterai, je la décaperai parce qu'il a frotté un peu dessous et puis ça a fait rouiller la tôle de protection. Mais niveau châssis, niveau caisse, on va dire, il est propre. Bah, j'ai déjà remis un petit coup de peinture sur anti-rouille sur le train arrière. Voilà, léger. Ouais, c'était un petit peu piqué, mais sans plus. Tu vois. J'ai remplacé l'arbre de transmission. Tu vois, il est tout neuf. Je vais devoir le redéposer aujourd'hui pour pouvoir démonter la boîte de transfert. Et voilà, bon, je te montre vite fait dessous, tu vois. J'ai déjà fait deux triangles. J'ai fait aussi deux, trois cylindres blocs qui étaient morts. Il y avait un peu de jeu. J'ai mis des pneus neufs, voilà, j'ai fait deux, trois bricoles. Et comme je sais que vous êtes curieux en termes d'argent, la famille, je vais vous dire combien ça m'est revenu. J'ai acheté le véhicule à 690 € dans un état pas très correct, on va dire. Voilà, la carrosserie était un peu pourrie, les phares avant étaient rongés, rongés, ils avaient déjà été rénovés deux, trois fois, mais là, je pouvais plus rien faire. Donc, poubelle, j'ai racheté deux phares neufs pas trop chers, quatre pneus, des cylindres blocs, l'arbre de transmission et tout. J'ai pris tout au moins cher, la famille. Hein, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas commencé à mettre des pièces d'origine, machin, etc. J'ai tout pris au pas cher et puis ben, ce Duster, il fera le temps qu'il fera.
Pour l'instant, il est très fonctionnel, fonctionne très bien, donc je vais le terminer. Et puis, si je peux le garder 4 à 6 ans comme ça, ce sera bien. Mais en tout et pour tout, si je calcule aussi le contrôle technique, la carte grise, machin, entre 2000 et 2200 euros. J'ai un Duster en parfait état de marche. Tu vois, avec des freins, tout, j'ai refait les freins arrière, j'ai refait déjà pas mal de trucs hors vidéo. Et puis je voulais vous montrer la boîte de transfert parce que j'ai pas trouvé de tutoriel sur YouTube pour le remplacement de la boîte de transfert, du moins pas des tutoriels corrects. Du coup, je voulais profiter de cette vidéo pour le faire avec vous. Voilà. Alors, on attaque cette mécanique. La suite. Alors, je te remontre un petit peu cette boîte de transfert parce que je voudrais que tu comprennes un petit peu comment elle est posée sur ce véhicule. Donc, en fait, tu as la partie qui vient rentrer dans la boîte de vitesse. Donc, quand tu l'as en version deux roues motrices, tu as un cardan avec un palier intermédiaire, un roulement intermédiaire et avec un arbre qui va tout droit. Donc, je te mets l'image en haut à droite ou en haut à gauche pour que tu te rendes compte. Et là, c'est un palier simple, c'est un arbre simple. Donc, tu as la noix inférieure qui vient rentrer avec un arbre direct et directement la noix extérieure. Voilà. Donc, ça, c'est pour remplacer le fameux palier du deux roues motrices où t'as pas tout ça en fait. Donc là, ça fait office de palier cette pièce. Donc ici, t'as l'arbre transversal qui vient traverser toute la voiture jusqu'à l'arrière des roues, la fameuse pièce que j'ai déjà remplacée que je dois redémonter. Voilà. Et ici, tu as la partie de fixation. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 boulons à démonter. Voilà. Et puis il va falloir faire un petit peu de place pour pouvoir sortir tout ça. Donc je démonte les éléments de base. N'est-ce pas? Et puis ensuite, quand il y a un peu de place, je te montre ça. Mais avant tout, un petit verre de goutte pour se donner du courage. Ah, je me sens fort tout d'un coup. La suite. Bon, voilà, j'ai fait un peu de place. Je vais te faire le topo de ce qu'il faut démonter, si tu as envie de le faire toi-même, vu que cette vidéo, elle sert à la curiosité et aussi de tutoriel. Donc, il va falloir que tu démontes ta biellette complète de direction. Donc, tu viens enlever juste l'écrou de ta rotule, clac, tu y sors. C'est pour pouvoir avoir de la place. Tu viens sortir ici ta rotule de suspension de son axe pour pouvoir tirer la fusée vers l'arrière pour pouvoir sortir ton cardan. Tu viens démonter ici, douille de 30, ton écrou de cardan ici et puis là tu vois on commence à avoir accès à la boîte de transfert que tu peux voir là derrière. Alors j'ai encore l'arbre à démonter là-bas, tu vois, mais là je commence à avoir de la place. Puis il faut que j'enlève la tôle de protection moteur dessous pour pouvoir travailler puis tout y sortir. J'espère juste que je vais pouvoir y sortir sans devoir démonter le berceau et tout ça, sinon ça va être la grosse merde. Et j'aime pas quand c'est la grosse merde. Non. Bon, comme tu le sais, je suis tout seul. Je peux pas démonter, tenir le téléphone dans le compartiment moteur, déposer, te filmer tout en même temps, c'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le déposer. Je vais vivre mon expérience parce que je l'ai jamais fait auparavant. Je l'ai fait sur d'autres véhicules, mais pas sur celui-là. Je vais démonter. Je vais retenir toutes les complications, les facilités qu'il y a au démontage et puis je reviendrai te faire un petit récap après la dépose. D'accord? Voilà. Si tu comprends bien qu'avec mes deux petites mains de mécano, là, je peux pas tenir la caméra, démonter, machin, c'est un bordel. Il n'y a pas de place. Alors, donc je fais ça et puis on se retrouve après, n'est-ce pas? Et j'oubliais avant de commencer. Il va falloir que tu vidanges ta boîte de transfert. À l'intérieur, c'est de la 75W90. Donc, si tu y fais toi, il va falloir que tu y vides et puis remplacer l'huile, bien sûr. 75-90. Et la boîte de vitesse, c'est de la 75W80. Il te faudra à peu près 2 litres. Et pour la boîte de transfert, c'est 3 fois rien. C'est 100-200 millilitres, je sais plus, mais tu achètes 1 demi-litre si tu peux trouver.
Ou alors en version 1 litre, et puis tu auras de quoi faire 3 ou 4 vidanges de boîte de transfert avec ton litre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, et puis je te montre vite fait bouchon d'évacuation des huiles et bouchon de remplissage. Comme ça, tu le sais aussi, si tu es néophyte sur la mécanique Renault, eh ben, je te montre. Voilà, donc on se retrouve sous le moteur de la voiture. Donc attention, ne pas mélanger. Tu as trois vis. Tu as la vis du carter moteur, donc ça c'est pour l'huile moteur. Ici, juste derrière, tu as la vis de la boîte de transfert. Et ici à droite, enfin à droite, à gauche du véhicule, mais je suis face à lui, donc à droite, tu as la vis de vidange de la boîte de vitesse. Et ici, derrière le cardan gauche, je ne sais pas si je vais réussir à te montrer. Tac. Hop. Ici, là. Là, tu as la vis de remplissage, si ça veut bien zoomer, cette merde. Voilà. Tu la vois, la vis de remplissage blanche, là, avec les deux ailettes. Eh ben, c'est ça. Ça, c'est remplissage à débordement. C'est pareil pour la boîte de transfert. Tu as la même vis sur le côté de la boîte, ici. Donc, vis de remplissage. Vis de vidange. Vis de remplissage. Très important de bien respecter les grades quand vous remettez en huile et tout ça, la famille. Parce que si vous ne respectez pas les grades, ben, vous avez un risque d'endommagement de vos éléments mécaniques. Et franchement, tout ça pour mettre du pas cher et économiser 3 euros sur l'huile, ça vaut pas la peine. Donc, mettez tout de suite le bon grade, la bonne huile qui va bien, et puis vous êtes tranquille, la famille. Allez, je dépose cette boîte de transfert là. Voilà, comme tu peux le constater, j'ai descendu la bête. Elle est là. Il y a encore un peu d'huile qui coule malgré que j'y ai tout vidé, mais bon, c'est comme ça. Je vais te dire une chose. Il y a une complexité, c'est qu'il faut que tu tombes. Il y a une patte qui tient l'échappement ici, là. C'est cette patte-là, ici. Tu vois, il faut la démonter parce qu'il y a une vis. La vis qui est là, ici, là. Tu vois, tu as une vis en haut, une vis ici. Un écrou là, une vis là, une vis là. La vis qui est ici, c'est une putain de galère pour avoir accès par derrière parce qu'elle est vissée par derrière ici. Tu vois? Donc, tu es obligé de démonter la petite patte qui va là, que je viens de te montrer, pour pouvoir avoir accès avec un outil. Donc, perso, moi, j'ai utilisé un petit cliquet court, un quart, avec la douille de tresse qui va bien, pour débloquer. Et ensuite, j'ai réussi à enfiler cet outil là-dedans, tu vois, il passe tout juste pour aller chercher la vis et pouvoir la desserrer sans me faire chier 1 heure à la main. Alors, si tu l'as pas, l'outil, tu pourras toujours y faire, hein, mais tu vas y passer un temps interminable. Voilà, parce que la vis est difficile d'accès. Sinon, pour le reste, ça a été un jeu d'enfant. Tout accessible, voilà, je vais te dire, entre la séquence d'avant et celle-ci, ça fait, allez, j'y ai passé peut-être 20 minutes, 30 minutes, allez. 30 minutes en voyant large. Donc franchement, ça va. C'est pas pire. Tu vois? Donc bah, je remonte tout ça. Et puis on ira faire un essai avec ce Duster. Voilà, mais je voulais vous montrer. Puis je voulais faire un tutoriel à peu près détaillé sur le remplacement de boîte de transfert sur un Dacia Duster. Voilà. La suite. Bon, comme tu as pu le voir, mon copain, dans le petit accéléré que je viens de t'envoyer là, je me suis bien fait chier la couenne. C'était lourd. Et j'avais de la peine à y passer ici, tu vois, dans le trou là, dans cet emplacement. Mais enfin, j'y suis arrivé. Voilà. Et puis j'ai réussi à remettre toutes les visseries, donc plus ou moins facilement. Attends, je vais essayer de t'éclairer. Voilà, avec la lumière, ça va mieux. Donc tu vois, j'ai réussi à tout refixer. Donc la platine ici, là. Les 5 vis qui vont tout autour. Donc il y a toujours cette fameuse vis-là derrière qui fait bien chier. Même pour la remettre, c'est un peu l'embrouille, mais enfin, on y arrive. Et puis là, il me reste à connecter mon arbre de transmission.
là. Et ensuite, je vais pouvoir remonter ben, tous mes éléments cardans, rotules, tout en place, etc. Puis ben, bien sûr, remettre en huile. N'oubliez pas, la famille, de remettre en huile votre boîte de vitesse ainsi que votre boîte de transfert. Sinon, tu vas voir la mauvaise surprise. Ça va te faire jouir, mon gars. Bon, mon copain, comme tu peux constater, ma boîte de transfert, pratiquement comme neuve, est posée. J'ai remis l'huile partout, boîte de vitesse, boîte de transfert. J'ai remis l'arbre en place. J'ai remis tous les éléments en place. Maintenant, je voulais te montrer. Donc, il me reste juste le cache moteur à remettre dessous, que tu peux voir ici. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour toi de voir les outils dont tu auras besoin pour faire cette opération. Donc, un maillet caoutchouc, ça, c'est pour sortir la boîte de transfert. Elle est un peu collée, donc faut taper un peu dessus. Donc, il te faudra un maillet en caoutchouc. Un grand tournevis plat, ça, de toute façon, hein, c'est pour un petit peu sortir les vis, machin, te débrouiller, tu vois. Une petite pince, une clé de 19, une clé de 13, un cliquet court avec une douille de 13, une douille de 16, une douille de 30, la douille de 17 pour les roues, une petite douille de 13 et la petite douille de 10, enfin longue douille de 10 pour remettre en place le cache moteur. Il va te falloir un cardan, comme ça, pour avoir l'accessibilité aux vis de la boîte de transfert. Il va te falloir pas mal de rallonges, une lampe de poche bien sûr, et puis bah si tu es équipé des péteuses, hein. Voilà, donc tu sais à peu près tout. Et puis j'oubliais la sangle. Voilà, la sangle, c'est pour venir tirer l'ensemble fusé vers l'avant et puis y attacher pour pouvoir enfiler le cardan quand tu remontes. Donc ben voilà, j'espère que ça a été assez clair pour toi, mon copain. Alors maintenant, je remets ce cache en place et puis ben, on va pas finir la vidéo comme ça. On va aller l'essayer, ce Duster. Je veux savoir si le bruit de roulement a disparu. Et puis, je vais vous faire profiter un petit peu de la belle vue de nos montagnes, tout enneigé. Voilà. Allez, on y va. Et la famille, avant d'aller faire un tour avec ce monstre, je voulais vous dire une chose. Sachez que pour faire cette opération, j'y ai passé 3 heures. En sachant que j'ai filmé, j'ai pris mon temps pour vous montrer quelques prises de vue, etc. etc. Donc je pense qu'un professionnel, il peut le faire en 1h30, 2h. Et un amateur, 2h30. Voilà. Après, il y a aussi un autre facteur à prendre en compte. Moi, j'ai un pont. Tu vois ? Donc c'est facile de faire de la mécanique sur un pont. Beaucoup plus simple de changer une boîte de transfert avec un pont que coucher par terre, etc. Alors c'est pas impossible de le faire. Par contre, tu vas en chier. Donc là, tu risquerais d'y passer 3 heures au sol à te faire chier. Voilà. Mais c'est pas impossible. Donc si jamais tu voulais savoir le temps de main d'œuvre chez un professionnel dans un garage, 1h30, 2 heures. Voilà. Après, il faudra rajouter ben, le prix de l'huile. Il faut remettre de l'huile, les joints. Qu'est-ce qu'il y a encore je crois que c'est tout. Voilà. Puis bien sûr le prix de la pièce. Donc si tu vas y faire en occasion chez un garagiste, le prix moyen c'est à peu près 500-600 euros maximum, pièce et main d'œuvre comprise. Voilà. Allons essayer cette bête. Bon, alors on démarre. On enclenche le 4x4 direct. Voilà, et je veux m'assurer qu'il n'y a pas un bruit bizarre. Bon, allons essayer maintenant la vitesse. J'avais un bruit de roulement entre 80 et 100 qui était assez prononcé. J'ai oublié de vous dire en début de vidéo que j'ai changé les 4 roulements de roue parce que les 2 arrières étaient complètement cuits et les 2 avant étaient d'origine, donc 160 000 km, ils étaient fatigués. Donc j'ai commencé par faire ça et puis malheureusement il y avait toujours le bruit de roulement. Donc j'ai regardé un peu sur les forums et tout ça et beaucoup de gens parlaient de la boîte de transfert qui avait un défaut de roulement. Donc je vais accélérer jusqu'à 80-90 et je vais être fixé, savoir si le bruit est toujours là ou pas. Et le bruit est toujours là. Donc, je suis dégoûté. Je pensais que c'était la boîte de transfert parce que j'ai vu sur certains forums
Renault Dacia, que apparemment c'était un peu la maladie, les boîtes de transfert, et ben en fait c'est pas ça. Donc le bruit de roulement, il vient de la boîte de vitesse. Et elle, je te garantis que je vais pas la changer. Ça me fait chier. Ou je la changerai peut-être peut-être un jour, si je fais l'embrayage, que je dépose la boîte, j'en profiterai peut-être pour en mettre une autre. Mais là, je suis dégoûté. Il y a un peu moins le bruit, étonnamment. Un tout petit peu moins le bruit, mais il est quand même présent. Bon. Allons essayer ce Duster en mode furtif 4 roues motrices pour voir si je peux l'envoyer en enfer ou si je peux aller me faire foutre. Comme vous pouvez voir autour de vous, je me trouve sur le parking du Coudray. À 1130 mètres d'altitude. Comme tu peux le voir, aujourd'hui, il fait pas très beau. On n'a pas une vue exceptionnelle sur, sur la plaine. Mais je vais essayer de monter tout en haut avec cette bestiole par les chemins 4x4 ici. On va monter à peu près à 2000 mètres d'altitude. Et je vais te prouver que le 4x4 Duster, c'est un super 4x4. Ouais, c'est un vrai franchisseur. C'est un 4x4 pas très cher, mais il t'emmènera partout. Ça monte raide et ça grimpe, tu vois. Franchement, à l'époque, ils avaient sorti cette voiture à 20 000 euros toute option. Mais quand je te dis toute option, c'était, t'avais le 4x4, t'avais la clim, t'avais les 4 vitres électriques, t'avais le cuir, volant cuir, pomme au cuir, boîte 6 vitesses. Franchement, pour 20 000 balles, c'était quand même quelque chose de beau à l'époque. Bon la famille, c'est un petit peu décevant parce qu'il y a la neige qui commence à tomber comme tu as pu le constater dans les images et il commence à y avoir une sacrée couche par terre. Alors mon Duster, je l'adore, hein, c'est un vrai franchisseur, mais c'est pas non plus un Dodge Ram, tu vois bien. Donc dès que ça dépasse les 30 cm de neige, ça commence à être dangereux. Et puis je suis juste à côté des falaises comme tu as pu aussi le constater dans les images. Donc, de toute façon, le but, c'était de te faire une petite démo de franchissement. Tu as constaté par toi-même que c'est du merveilleux, du merveilleux, du top royal au bar, n'est-ce pas? Et puis, je vais profiter de cette fin de vidéo, camarade, pour te dire bye bye. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras bien kiffé. Tu reverras certainement le Duster dans d'autres vidéos. Le jour où j'irai faire de l'achat-vente automobile avec mon plateau, ou le jour où j'ai besoin de tirer un autre véhicule, voilà, ça va être un petit peu l'utilitaire 4x4 du garage. C'est pour ça que je me suis pas trop attardé sur l'esthétique et la carrosserie, voilà, parce que j'en ai un peu rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est une bonne mécanique.
Voilà, je suis quand même déçu parce que le but de cette vidéo, c'était de faire la boîte de transfert et de réussir à réparer ce bruit de roulement. Mais tu as pu constater que malheureusement, c'était pas ça. Et de toute façon, il fallait déposer et remplacer pour voir, pour faire la recherche de panne. Donc, c'est pas grave, je vais revendre, je vais garder la boîte de transfert la plus récente, celle que je viens de poser. L'ancienne, je vais la revendre sur eBay. Et puis je vais récupérer un peu mes sous. Alors je pourrais peut-être pas en tirer 160 euros, mais si j'en tire 100 balles, je suis content déjà, tu vois. Ça me permet de récupérer un peu mes sous. Voilà, puis après j'ai perdu 3 heures de main d'œuvre, donc c'est pas le bout du monde non plus. Voilà, au moins je suis fixé, je sais que mon bruit de roulement, il vient de la boîte. Et puis ben, le jour où je fais l'embrayage dessus, si un jour je le fais, et ben, ce sera l'occasion d'acheter une boîte d'occasion et puis de remettre une boîte dessus. Après, c'est pas hyper gênant, mais disons que je suis un peu maniaque et moi j'aime bien que les véhicules ils roulent bien, qu'il y ait une bonne mécanique, tu vois. Donc ce petit bruit de roulement, ça me casse un peu les couilles, mais bon. Je constate aussi par moi-même, parce que c'est la première fois que je l'emmène dans les chemins, celui-ci, je constate qu'il n'y a pas de bruit au rotule, il n'y a pas de claquement, il n'y a pas de bruit chelou et que c'est un 4x4 qui se comporte merveilleusement bien. Donc bah ma foi, je resterai avec ce petit défaut. Et puis bah c'est pas grave. On a fait une vidéo ensemble, vous avez vu un peu de mécanique, vous avez vu un petit peu de 4x4. Voilà. Et moi, je vais en profiter pour vous dire au revoir et puis vous faire des gros bisous la famille. Parce que là, je suis obligé d'utiliser mes deux mains pour redescendre. Parce que c'est raide. Très raide. Et puis bah je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Une nouvelle vidéo, je ne sais pas quel sera le sujet de cette vidéo, mais enfin, reste connecté à Asphalt Garage et tu le sauras toi-même dans 2 semaines. Alors gros bisous la famille, abonnez-vous, ciao !